Est-ce que mes gars du continent sont prêts? On parle du continent, on va au Cameroun, oui. Mes frères et sœurs du Cameroun, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que mes gars du Bénin, les écureuils, est-ce que vous êtes prêts? Prêts parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars, aujourd'hui. Après le Manitoba, qui a visité la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est autour du Québec qui visitera le Cameroun et le Bénin. Je répète, après le Manitoba, qui s'est déplacé au Cameroun et en Côte d'Ivoire, c'est le Québec maintenant qui va visiter le Cameroun et le Bénin en décembre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer une opportunité qui va te permettre de t'inscrire. De t'inscrire pour pouvoir postuler parce qu'on va recruter tous ceux qui sont dans les techniques de l'information de communication. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des TIC. Vous vous rappelez que Talent Montréal recrutait. Alors maintenant, ils vont venir sur place au pays pour recruter. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce que tu peux faire pour postuler. Donc, c'est que tu ne vas pas commencer en normal. C'est juste pas comme ça, non, ma soeur. Donc, après le jingle, on va faire quoi? On va faire le Congo ça. Bonjour, bonsoir. Ah, ça dépend à l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu laisses le reste. Ouais, je suis en joie. Je suis content parce qu'on ne cesse de grandir, d'évoluer. La communauté s'agrandit. Donc, même si toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu n'es pas du Cameroun ni du Bénin, mon ami, pardon, partage. Parce que tu ne connais pas le jour ou l'heure où ta part va arriver. Mais je vais toujours vous dire, soyons unanimes. Seul, on va vite, mais ensemble, on va super loin. Partage, partage l'opportunité, partage cette vidéo pour que les autres frères africains puissent bénéficier. Le Canada, par le biais de la province du Québec, va se déplacer pour arriver au Cameroun, arriver au Bénin, pour recruter sur place. Et laisse-moi te dire un truc, ça va être gratuit. Tu ne dépenses rien, tu ne payes rien. C'est moi qui dis. Et moi, c'est qui? Je suis Papa Joël Bonnier, promoteur culturel, entrepreneur web et Papa na Kongosa. Appelle-moi, écris un commentaire. Papa na Kongosa. Je vais voir Papa na Kongosa. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer l'opportunité pour que tu puisses bénéficier, partager et inviter les autres aussi pour qu'ils puissent avoir cette chance de postuler et d'être recruté sur place au Cameroun. Vous n'allez pas faire le déplacement. Vous allez vous préparer. Je vais te montrer les documents qu'il faut. Je vais te montrer comment tu vas te préparer. Et laisse-moi te dire, avec mon équipe, on va t'accompagner. On va t'accompagner. Donc, tu laisses en commentaire ta ville, ton pays, ton métier, pour qu'on cherche aussi tes opportunités, comme on l'a fait pour les techniciens du côté du Cameroun et du Bénin. On va se prendre devant ma machine et on va partager l'opportunité. Et s'il vous plaît, je vais être très, 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 très pointilleux. La dernière fois, on en a parlé du Manitoba, vous avez attendu la dernière minute. Non, n'attendez pas. Dès que tu regardes cette vidéo, postule. Si tu ne peux pas postuler, saisis-nous, on va t'accompagner. Je dis, dès que tu regardes cette vidéo, tu dois postuler. Tu as le devoir, l'obligation de postuler. Et si tu n'es pas dans le Cameroun ou le Bénin, tu partages aux gens. Partage dans les groupes, on ne sait jamais. Donc, on va se prendre devant ma machine, on va partager l'opportunité et on va voir comment aider nos autres frères. Et on va voir comment ils vont pouvoir émigrer. Allez, on se prend devant ma machine. Merci. D'accord. Nous sommes là devant mon ordinateur. Ok. Ne vous inquiétez pas. Et comme toujours, je vais vous mettre le lien. Ok. Comme toujours, je vais vous mettre le lien de ce site en description. Là, vous allez voir lien utile. Lien utile dans la description de la vidéo, c'est ce lien. Et vous cliquez directement pour apparaître ici. Plus que nos vidéos soient longues. Ou vous avez une autre idée à me proposer. On fait souvent, on commence toujours par le site étape à étape. On arrive directement sur le site et on met le lien. Fais le choix en commentaire. Votre choix va me permettre, mon équipe et moi, enfin, en fait, va nous permettre, mon équipe et moi, de savoir si on doit habituellement aller directement au site ou on va montrer le cheminement. On montre le cheminement. Où on met le site, on va directement au site, on met le lien en description, en commentaire, donne ton avis en commentaire. C'est une communauté, hein. Nous sommes ensemble, c'est pas, on ne dicte pas ici, on travaille ensemble. Donc j'attends en commentaire ton choix, étape ou directement sur le site. Tu laisses en commentaire. Bon, initiative de recrutement de travailleurs en TI, qui veut dire technique de l'information au Bénin et au Cameroun. Rencontrez votre futur employeur québécois au Cameroun, à Cotonou ou à Douala. Ok? On va pas cliquer ici. On regarde ici. Ici, ça veut dire que c'est encore disponible. État de l'initiative, c'est en cours. Territoire,
Bénin, Cameroun. Je vous ai dit ça à l'introduction, non? Fin des inscriptions, il nous reste 19 jours. Quand je fais des vidéos, les gars, passez rapidement à l'action. Donc, dès que la vidéo s'y est en train, avant que la vidéo ne finisse, tu t'es inscrit. Si tu ne peux pas t'inscrire, tu nous saisis. On va t'accompagner. Si tu n'as pas le CV ni la lettre de motivation, tu nous saisis. On va te procurer ça. Et rien que spécialement pour ce programme, nous allons faire la réduction sur les CV bilingues. CV bilingue. Donc, ton CV automatiquement sera bilingue et ta lettre de motivation. Donc, écris en commentaire besoin de l'offre spéciale. Offre spéciale. Parce que moi, quand on va te donner le numéro, tu vas écrire directement au numéro WhatsApp. Offre, besoin de l'offre spéciale. L'offre spéciale, c'est ça. C'est le prix qu'on va vous faire sur le CV et la lettre de motivation pour que tout le monde postule ici. OK? Fin des inscriptions dans 19 jours. Inscription en octobre. Non? Du 30 octobre 2023 au 4 décembre 2023. Donc, ça a déjà lancé. Rapidement, les gars, on n'a plus le temps à perdre. Et les entretiens vont aller de janvier 2015 au 20 janvier 2024. Donc, le 15 janvier 2024 et le 20 janvier 2024. OK. Initiative de recrutement. De travailler en TI au Bénin et au Cameroun. Votre expertise en technique de l'information est recherchée au Québec. C'est pas moi qui dis, c'est le site qui est en train de dire. C'est le site du Québec qui est en train de dire. Et quand un site original comme ça dit, alors mes gars, prenons ça au sérieux. Trois entreprises spécialisées en cybersécurité et en services informatiques viennent recruter des experts en informatique au Bénin et au Cameroun en janvier prochain. Voici les principaux profils recherchés. On va voir un peu quelques profils qui sont recherchés. Administrateur de base de données Oracle, administrateur de système Linux, analyste programmeur, conseiller des architectes ou gouvernance de sécurité, conseiller en architecture technologique, spécialiste, bon, vous êtes en train de lire, ok? Déposez votre candidature pour obtenir un entretien en personne à Cotonou ou à Douala. Participer à nos webinaires. Pour apprendre davantage sur le fonctionnement de cette initiative de recrutement des travailleurs en TI, inscrivez-vous au webinaire d'information qui aura lieu le 21 novembre à 13h30. OK. Regardons d'abord les étapes. Je vais vous montrer les étapes. Pour que tu te retrouves automatiquement, même si le grand-père du village t'avait attaché, j'ai dit automatiquement au Québec, au Canada, en 2024, voilà les étapes pour ce programme. 1. Tu déposes ta candidature du 31 octobre au 4 décembre 2024. 2. Ils vont analyser les candidatures du 31 octobre au 7 décembre 2023. 3. Ils vont envoyer des invitations aux rencontres individuelles aux candidats retenus. Donc, ils vont vous envoyer des invitations pour les entrevues du 12 décembre 2023. 4. Entretien avec les entreprises pour candidats retenus et sur invitation uniquement. Donc, quand tu es retenu, on te programme maintenant le jour où tu vas le voir en face. En face. À Cotonou, Bénin, les 15 et 16 janvier 2024 et à Douala, les 19 et 20 janvier 2024. Et maintenant, pour clôturer, la date estimée, écoutez bien la partie qui fait bien mal, la date estimée d'arrivée au Québec, la date des personnes sélectionnées, recrutées, d'arriver au Canada, ce sera en automne 2024. Mets en commentaire, automne 2024, je serai là. Je vais en commenter, automne 2024, je serai là. Mets en commentaire et tu reçois ta bénédiction. Remontons maintenant. On va s'inscrire. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pour franchir l'étape 1, il faut passer. Ça, c'est là. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est pas encore l'étape 1, mais c'est la première partie. La première partie, tu dois t'inscrire au webinaire qu'ils organisent en ligne. Moi, ici, je conseille même à ceux qui ne sont pas dans la technique de l'information que les gars, inscrivez-vous.
inscrivez-vous. Dis, même si tu n'es que médecin, même si tu ne connais pas ce que tu fais dans ta vie, inscris-toi parce que le webinaire là, c'est gratuit. Ça va te permettre de comprendre des choses sur le Canada, sur le Québec. Donc, tout le monde, inscrivez-vous. Maintenant, ceux qui sont dans les techniques de l'information, vous allez maintenant postuler quand ils vont vous dire, on clique sur inscrit. D'accord. On clique sur inscrit, on est là. L'inscription est simple. J'ai dit, tout le monde doit s'inscrire. Maintenant, sauf ceux qui sont dans le domaine, pourront continuer. Donc, tout le monde s'inscrit pour écouter et voir le webinaire. Comme on fait habituellement. Il y a des gens ici qui participent souvent à nos webinaires. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Même si vous n'êtes pas technicien, vous participez. Maintenant, l'État va demander aux techniciens d'envoyer les mails. Les gars, vous savez au moins ce que vous avez appris ce jour sur quelque chose sur le Canada. Donc, tout le monde doit s'inscrire. Maintenant, sauf les techniciens vont continuer à l'étape 1. On voit l'inscription. Tu mets ton nom comme d'habitude. Tu mets ton nom. Moi, je mets mon prénom. Mon nom de famille. Ok. Tu viens ici en bas. Tu mets ton label, ton adresse email. Moi, je mets. Pour vous montrer qu'on doit mettre. Mettons, les gars. J'ai dit que tout le monde doit s'inscrire. Tout le monde doit s'inscrire. Maintenant, tu mets ton pays. Si c'est le Bénin, tu mets le Bénin. Si c'est le Cameroun, tu mets le Cameroun. Même si tu n'as même pas au Bénin ou au Cameroun, les gars. Même si tu es au Togo. Mais, bon. Tu peux mettre Cameroun ou tu peux mettre Bénin. Si, je dis bien, excusez-moi. On ne va pas s'égarer. Si tu n'es pas au Cameroun, si tu n'es pas au Bénin, et si tu n'es pas technicien, tu peux participer pour voir ce qu'on va dire là-bas ce jour, pour être curieux, pour découvrir, pour apprendre, ok? C'est un secret qu'on se partage entre nous, ok? Donc, mais, tu choisis entre le Cameroun et le Bénin. Maintenant, l'État où on va demander les techniciens, ça ne te concerne plus parce que tu n'es pas ni au Cameroun, ni au Bénin. Et maintenant, si tu es au Cameroun, ni au Bénin, et que tu n'es même pas technicien, ça ne te concerne pas. Et si tu es technicien, tu continues. On doit apprendre chaque jour, les gars. Moi, je mets Cameroun. Je ne suis pas au Cameroun, mais je vais mettre Cameroun. Quand tu finis, tu cliques dessus, s'inscrire. Voilà ça. Votre inscription est effectuée. Vérifiez l'adresse mail, l'adresse email de confirmation envoyée. Ok. Donc, vous allez aller dans votre boîte mail, vous allez vérifier l'adresse email, vous allez confirmer. D'accord? Pour être présent. Bon, je n'ai pas. On a déjà fait des vidéos ici pour montrer comment on confirme des adresses, les gars. Donc, vous pouvez le faire. Ok. Vous avez reçu l'email. Ah, d'accord. S'il vous plaît, partageons massivement cette vidéo. C'est pas parce que tu n'es pas technicien que tu vas pas partager. Partageons massivement. C'est pas parce que tu ne résides pas au Bénin ou au Cameroun que tu vas pas partager. Partage et Dieu va envoyer ta part. Et est-ce que les techniciens pouvaient imaginer qu'on va venir les recruter sur place dans les deux pays? Non. Et comme je vous dis toujours, plus vous partagez, plus ils vont confirmer que les autres pays s'intéressent aux programmes qu'ils sont en train de faire et ils viendront aussi dans votre pays. Aujourd'hui, c'est le Cameroun et le Bénin. Si tu partages bien la prochaine édition, ça peut être le Togo, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Gabon, ça peut être le Congo, ça peut être le Burkina Faso, ça peut être le Sénégal, ça peut être l'Algérie, la Tunisie, et ainsi de suite. Mes frères, on doit devenir un. Seul, on va vite, mais ensemble, on va où? Très, très loin. C'était Joël Bonny, Papa Nakongosa, promoteur culturel. Rendez-vous au sommet. Et le premier qui arrive, ici, la main des autres. Allez, j'ai secteur aimé, tu partages. On se prend à la prochaine.